Non, YouTube, vous ne rêvez pas. Vous êtes actuellement en train de draguer, en train de draguer, de regarder 1h20 qui joue à CSGO en compétitif sur Dust 2. Voilà, pourquoi pas. Donc, j'ai pas joué depuis quelques mois, beaucoup, beaucoup de mois. Donc, je suis descendu Silver 2, donc je crois que c'est le elo le plus nul du monde, j'imagine. J'en Pas ai aucune toujours, idée, je m'en fous d'ailleurs. Donc voilà, c'est parti. On joue à Counter-Strike Global Offensive, un jeu absolument incroyable. Voilà, il faut faire pam pam boum, terroriste, blush, clutch or kick. Je sais pas ce que ça veut dire, je connais pas le jargon de CSGO, je suis désolé. Déjà, je connais le jargon d'une map, c'est déjà bien. Me demande pas trop non plus. Ah! Attendez, je suis en train de me battre avec mon fil là. C'est parti se coincer sur mon ordinateur. Fil! Qu'est-ce que... Respecte mon autorité! Va te... dans le coin là-bas. Dans le coin, Phil. Voilà, merci. Ah bah oui, après on s'étonne que les trucs d'Apple, ils durent pas longtemps. Ah, ça c'est parti, c'est ça a commencé. Ah, c'est l'échauffement. Ah, d'accord. Donc là, on a l'échauffement des gens. Donc, on va pouvoir parler aux gens dans la game et tout, ça va être génial. Il faut prendre un truc bien léger, genre ça. Là, on va tuer des gens. Regardez comme c'est beau. C'est parti! Donc là, on attend les joueurs apparemment. J'ai hâte de savoir qui sont les gens dans ma game. J'ai vraiment, vraiment hâte de savoir. Parce que du coup, j'ai fait une game cet après-midi là. Et comme je disais, je suis tombé avec des enfants. C'est trop drôle. Pas du tout anglophone en plus, non plus. C'est peut-être un peu fort. Le son est peut-être un peu fort. Je pense que là c'est pas mal. Courez! A chaque fois je veux courir mais ça court pas. Je peux pas courir dans ce jeu en fait. Vous vous souvenez? Vous savez comment on joue à ce jeu évidemment, vous savez tous, vous qui regardez ce live, vous qui regardez cette vidéo. CSGO n'a aucun secret pour vous. Oui d'accord. Moi c'est sur FIFA que je suis tombé sur les enfants 100%. Il y a un vocal sur FIFA? Pas de vocal sur FIFA. Il y a un vocal sur FIFA? Si il y a un vocal sur FIFA c'est génial. Vous avez vu? Là j'ai fait de la merde. Genre j'ai mis 10 ans à tirer et tout. Alors que les vrais mecs qui jouent au sniper sur CS, c'est. Les mecs tu vois ils plaisantent pas. C'est trop rigolo de faire ça. Jean-Kevin du 96 qui se prend 2 buts après 10 minutes et qui rage quitte. Mais non il a fait Altab. Bon je vais écrire mon nom. Est-ce que le son est pas trop fort? Je pense que le son est trop fort. Je vais défoncer le matériel. Tu me laisses écrire mon nom tranquille, oui? Bon. Ah bah si, y'a des trucs qui se passent aussi. Une herbe. Enfin, j'ai écrit. Ouais. Oh putain, ça y est, ça commence. Donc là on rigole pas là. Là, il faut écouter les camarades. Je vais pas leur parler tant qu'ils me parlent pas parce que c'est bizarre. Regardez comme il est là. Quoi? J'ai entendu. J'ai entendu ce qu'il a dit. Je suis parti, hein. J'ai rien compris de ce qu'il a dit l'autre. Ah j'ai pris cher. Aïe. 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 Meurs, créature de Satan. Vas-y, avance. Camarade, avance. Moi, ça, CSGO est un jeu qui me fait ultra stresser. Genre, un truc de fou. J'en sais vraiment. À chaque fois, genre, des fois, quand je suis tout seul contre toute l'équipe adverse, je vous jure, j'en peux plus, quoi. Donc, du coup, je risque de... transpirer beaucoup. Oh putain, il est là-haut. Ils sont tous les deux là-haut. Ah putain, j'étais tout seul. Bah, on est tous morts, non? Ils ont plus qu'à défuser. Oh, on a perdu. Ah, ça c'est pas bien, c'est d'avoir perdu le premier round. Regardez. Il a sorti les... Regardez comment il vous regarde, genre en mode... Je suis en train de défuser la bombe. Qu'est-ce que tu vas faire? Il est tellement vénère, quoi. En fait, c'est trop drôle de la regarder comme ça. Oula, oula, doucement.
Arthur, calme-toi. Je sais pas ce que je dois faire. Je dois économiser, je dois acheter des trucs. Moi je vais acheter ça, c'est bien. C'est rigolo, j'aime bien, ça tire vite. Yeah! Je crois qu'il faut économiser en fait, mais je m'en fous. C'est pas ça important. L'important c'est voilà. L'important c'est d'aimer, comme disait l'autre. J'ai voulu revenir en arrière, mais c'est trop tard. J'ai pas mis de dégâts? Ah ouais, c'est quand même. Du coup, je suis mort. Je pense que les autres ils vont penser que je suis un peu le bourrin de la team. Allez, on a deux morts. C'est pas grave. 3v5, ça le fait. Ils ont pas tué. Ok, c'est pas grave. 2v5, ça le fait. Okay, 1v5, ça le fait. Ok, 0v5, ça le fait un peu moins. Bon! Du coup, faut plus que j'achète de trucs, c'est ça là? Là, je vais rien acheter. J'ai juste acheté des trucs pour me protéger. Et j'achète rien là. Et je les laisse faire. Mais c'est chiant, ils parlent pas. Je préfère quand ils parlent, moi. Oui! Vous voyez comment ils se débrouillent. Regardez cette arme toute petite, toute mignonne. Pourtant, j'ai besoin de deux mains pour la prendre. Incroyable. Bonjour! Alors? Bah alors? Bah on a perdu son arme. Bah ah oui. Alors? Bon là il y a un sniper 100%, je vais me faire tuer. Bonjour. Ça arrive par derrière. Ça arrive clairement par derrière. Oui, bonjour. Ok. Pourquoi les mecs ils arrivent par derrière comme ça à la zone? Quoi l'idée derrière? Il est tout seul, regardez. Il sait pas qu'ils arrivent avec nous. Bon, je pense que c'est une game qui va durer pas longtemps. Donc ça c'est bien. Ça c'est vraiment. J'aime. J'adore. Ah non, pas ça, hein. C'est moche. C'est pas beau ça. Ah là on peut acheter des trucs rigolos. Genre ça. Ça c'est bien ça. Ça j'aime bien. Regardez comme c'est beau. Oh. C'est un skin qu'on m'a offert, je crois. Moi bon, je paye pas pour les skins, ça va pas cool. Les gens sont fous dans CSGO. Quand je vois les skins des fois qui coûtent des sommes exorbitantes, je suis un peu en mode mais les gens, mais pourquoi ils payent pour ça quoi? On est d'accord que ça ne change rien à l'arme. Elle est pas plus forte ou quoi? C'est juste du style. Ah, je t'ai vu. Ah bah oui. Mais arrêtez, vous êtes malade ou quoi? Non, alors je comprends rien à ce que tu dis, mec. Je comprends rien à ce que tu dis. What? L'autre, what? Vous. Ah merde, bah, j'ai pas réussi à avoir les deux. Le mec est genre ah, je peux pas acheter le bon truc. C'est pas grave, je vais prendre ça. Ça apparemment, tout le monde dit que ça c'est une arme de noob. Comme je suis un noob, il faut que je l'utilise. Faut que je donne des ordres comme ça aussi, ça va être trop long. Ah merde, il y a des let's go short et moi je suis parti à la zone ailleurs. Bon, pas grave. Putain, j'ai presque tué mon pote quoi. Je lui ai mis un coup par contre. Hein. D'accord. Avec cette arme, faut faire ça. Tirer, juste tu tires. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que c'est une arme de noob apparemment. Mais moi j'aime bien. C'est pratique, c'est facile d'utilisation. Pratique et facile d'utilisation. La P90 ou P90 dans le jargon. Ah ah, t'es mort, t'es nul. Ah oui. Ou la P90, du coup, je disais dans le jargon belge et suisse, est une arme facilement utilisable et appréciée des joueurs de type nul. Bonjour! C'est lui, c'est de justice! Je crois qu'ils ont deck parce qu'ils sont fait tuer par un mec qui est nul. Ah oui!
Ah, c'est triste quand même. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je vais repartir de la même, du même endroit. Ça me semble être une bonne idée. Que tout à l'heure, il y a un mec qui avait foncé ici, donc. Souvent, ils font la même chose, les gens. Ça a marché. Bonjour, c'est lui, c'est de justice. Il est tellement drôle ce jeu. Ah, je l'avais pas vu par contre. Bon, faites pas de la merde les gens. Je vais bien. On a réussi à remonter un point là, donc. Et quelqu'un a la bombe? Ah oui, c'est lui. 7, 3, 5, 5, 6, 0, 8. Je suis sûr qu'il y a un mec, enfin il y a même plusieurs dans le monde, leur mot de passe c'est ça. C'est le truc de la bombe de CS, c'est obligé tu vois. Genre les mecs qui sont trop à fond sur CS et tout, obligé leur mot de passe de leur truc c'est ça. De leur PC ou quoi tu vois. Obligé. Voilà, je fais ça. Apparemment, les pros, ils font ça. Moi, on m'a dit, ouais, les pros, ça se moque mid et tout. Là, là, là. Ça bloque les snipers. Ah! Ah non! Ça bloque les snipers! J'avais dit que ça bloquait les snipers. Je l'ai vu, tu sais, de loin, et je me suis dit, il va me tuer dessus, de toute façon. Quelle maîtrise de l'arme! Ah, ça tire. Ils sont plus que deux. Deux contre trois. Quatre, pardon. 2 contre 4. Niquez pas la game, les gens. Oh, oh non, il l'a pas eu. Mais c'est pas grave, lui, il sait. T'as la paix, elle est énorme. À droite! À droite! Oui, il a continué à viser le mec qui était en haut. Là, on est d'accord, il était nul. Bon, je vais prendre une vraie arme. On va tenter. Oh, oui! Je la veux. Comme ça, vous serez obligé de me suivre. On joue à ça? Allez, suivez-moi. Follow me, I have the bomb. Ok. Ça, c'est la définition même de s'en battre les couilles. Les mecs, ils sont partis quand même, tu sais. C'est la vraie vie? What the fuck? Le mec il était là tranquillou, tu sais. Personne? C'est la fête? C'est la fête. 7, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Schmoke. Bon, ça couvre partout là. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il tire là, la zone? Nice. Je crois qu'il save, non? On se barre. Je vais mourir. Voilà! C'est facile ce jeu en fait. 5-3, ça pue. En fait, je crois que toutes les manches qu'on a gagnées, c'est grâce à moi, non? On est d'accord? Je veux pas me jeter des fleurs, mais bon. Ah oui, très très belle smoke de la part de notre coéquipier! On sent que le mec maîtrise un peu son sujet quoi. Ah, oh, il y en avait un droit. C'était sûr qu'il y en avait un droite. J'ai pas vérifié. J'ai fait une erreur. Ah oui. Attends, mais tu le vois pas? Pourquoi tu le vois pas? Pourquoi tu l'as pas vu tout à l'heure?
Ah, le bon mec qui arrive par derrière. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le drama éclipsé la démarche. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que le gaming live avait changé du coup. C'était passé en mode JVTV, je sais pas quoi là. C'était marrant ça d'ailleurs. Tu l'as. T'es un beau gosse. T'es un beau gosse. T'es un beau gosse, mec. Ah là là. Tellement pas beau gosse du tout ce que t'as fait. C'était tellement pas beau. Oh, c'était pas beau. Oh. C'est parce que t'es pas beau. Pas beau. T'es vraiment pas beau. Attack, rush me my friend. Comme dirait l'autre. D'ailleurs. Pousse-toi, je peux te sauter dessus. Je peux te sauter dessus. What? Putain, j'ai cru que c'était un ennemi, tu sais. Les mecs, ils veulent se faire sniper ou ça se passe comment? Bonjour. Ah, il y en a un short. Il y en a un short. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais voilà, vous avez compris. Ah bah bravo! Ah bah très bien joué! Par contre, pourquoi, à quel moment le mec, enfin les mecs, tu vois, ils se disent ouais, ok, on a un de nos potes qui se fait maraver la gueule au sniper. Ah, je suis con. À quel moment les gens ils se disent on va regarder? Tu sais, c'est typique, t'as un mec, il arrive, il se fait sniper. Et où tu fais? Mais il s'est passé quoi? Où tu fais? Mais attends, il s'est passé quoi? C'est exactement ce qui s'est passé. Pour faire là, j'ai l'idée de lancer une nouvelle TV de full rediff. Attends, je vais. Je sens que ça va être très intéressant là. Vraiment. Je vais être très intéressé. Nouvelle TV de full rediff de très anciennes émissions à l'époque de Zerator, Jerez, Unidad, XU7, TV Legend. Car j'ai dit ton réagi comme quoi c'était pas réglo pour les droits d'image sans accord, blabla. En plus avec l'herbe, il y a encore un clip sec qui a trash en disant il était contre et tout. Oh, mais du coup, ils font ce qu'ils veulent. Alors par contre, en vrai. Eclipsia sont dans leurs droits en fait. Parce que normalement, alors je sais pas le type de contrat qu'ils avaient. T'es sérieux? Je sais pas le type de contrat qu'ils avaient avec Eclipsia, j'en sais rien du tout. Mais normalement, quand tu fais un contrat d'audiovisuel, on va dire, et que tu crées des émissions chez eux, tu donnes ton droit d'image et ton droit de diffusion. C'est à dire qu'en gros, les émissions qu'ils ont faites, par exemple Zerator, tous les trucs, genre Zerator fait des trucs et tout, ça appartient à Eclipsia. Ça appartient pas à Zerator. Donc eux, Eclipsia, ont le droit de réutiliser ces images. Et Zerator et tout, ils ont absolument rien le droit de dire. Parce qu'ils sont pas dans leur droit. Il n'y a pas de droit à l'image ou droit de propriété, il n'y a absolument rien. Quand ils sont sous contrat avec une structure, encore là, je sais pas du tout comment ça fonctionne, comment fonctionnent les contrats avec Eclipsia, j'en ai aucune idée. Mais normalement, quand tu es dans une structure, tu voilà, c'est quand tu fais partie d'une TV, tu donnes ton droit de tout ce qui est droit à l'image et tout ça, voilà. Quand tu crées quelque chose, c'est pas à toi, ça t'appartient pas à toi. Donc, il y a pas de drama en fait. Il y a pas de discussion à avoir. Ça ne leur appartient pas, c'est tout. Donc ils font ce qu'ils veulent. Genre par exemple, Happy, c'est comme si nous à DigiWave, on lançait un truc genre de rediff de live et qu'on prenait tes lives et qu'on les rediffusait sur une plateforme. Tu pourrais rien faire. Déjà parce que t'as rien signé. Donc voilà, ça c'est encore pire. Mais si jamais t'avais signé un contrat, t'inquiète, dans le contrat, il aurait dit que rien ne t'appartenait. Tu vois, par exemple, moi, en tant qu'auto-entrepreneur, dans mes devis et mes factures et tout, il y a une petite mention dans les mentions légales, là, le truc que personne ne lit. Il y a un truc qui dit qu'en fait, quoi qu'il arrive, par exemple, je fais un logo à Monsieur Jean, quoi qu'il arrive, Monsieur Jean n'est jamais propriétaire de son logo. Totalement. Genre, il l'achète, il est à lui, il en fait ce qu'il veut, il le diffuse comme il veut, il fait absolument tout ce qu'il veut avec, mais intellectuellement, et plus encore, ça sera jamais à lui. Donc moi ça me protège à ce niveau là en fait, ça me permet de dire que voilà, c'est cette protection là que j'ai. Il y a eu deux reprises depuis, plus Kai et J qui sont sur Daily justement pour pas être sur Twitch. Oui mais ils s'en foutent ça en fait, ça n'a rien à voir. Ce que Eclipsia diffuse, c'est pas Skyheart et Jiraya. Ce que Eclipsia diffuse,
c'est Eclipse, c'est Jiraiya Sky Art qui font une émission Eclipsia. Donc c'est Eclipsia. Donc ils font ce qu'ils veulent avec leur contenu. C'est tout en fait. Donc il n'y a pas de débat à avoir. Ils peuvent gueuler comme quoi ils savent très bien qu'ils utilisent leur image pour drainer des vues, ce qui est complètement vrai. Ça c'est sûr. Mais par contre, juridiquement et moralement, ils peuvent rien dire. Ils n'ont pas le droit. Et encore une fois, c'est sous réserve des contrats Eclipsia. Moi j'en sais rien. Peut-être que le contrat Eclipsia stipule que les émissions créées par les créateurs, genre Zerator et tout, appartenaient à leurs créateurs. Dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, oui, la propriété enfin, les droits de diffusion de l'émission appartiennent aux créateurs. Mais alors, ça m'étonnerait très fortement que ce soit ça. Parce que franchement, je connais aucune émission, aucune TV, aucun, rien du tout, aucune structure qui ferait un truc comme ça. Ce serait complètement débile. C'est comme si, t'imagines, c'est comme si TF1, genre ils produisent Secret Story, enfin je dis, je crois pas prendre cet exemple, ils produisent Secret Story, TF1, t'imagines, et en gros ils disent, voilà, une fois Secret Story est passé, les images de Secret Story appartiennent au mec dans la maison des secrets. Et du coup, à chaque fois qu'il y a une émission qui parle de Secret Story où on voit un mec, le mec pourrait dire, ouais, par contre c'est mon image, donc tu me dois de la thune. T'imagines le bordel un peu? Ça serait drôle, non? Je suis pas du tout la game depuis tout à l'heure, du coup, je sais pas du tout ce que je fais une aucune idée. 4B, 2A. Ah, tu voulais jeter une grenade? Bah voilà. Ça, c'est les réflexes de Call of, ça. Ça me perd pas, ça, par contre. À partir du moment où moi faut viser, c'est bon, je suis un dieu là, je peux tout faire. Par contre, ils vont venir en arrière, c'est sûr. Tiens, voilà. Quel fils de chien! J'ai vu la grenade partir quand je lançais la mienne. Ah! Ah, c'est bon, on a gagné quand même. Mais nice move d'Eclipsia quand même. Hein. Je trouve ça très, très couillu de faire ça, tu vois. Parce que clairement, on sait tous pourquoi ils le font. Mais c'est bien, moi je trouve ça marrant en fait. Genre, les mecs, clairement, ils s'en battent les couilles, ils sont en fait, ouais, on s'en fout, t'sais. Moi je trouve ça, en fait, si tu veux mon avis là-dessus, pardon, je trouve ça hyper respectueux pour l'équipe actuelle. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait vraiment genre, ouais, ce qu'on fait en ce moment ça marche pas, du coup on va créer une TV qui passe des rediffusions des anciennes émissions avec les gens qui étaient mieux que vous. Ça fait tellement ça, tu sais, c'est ça qui me fait rire, moi. Ça me fait marrer par contre. Parce que là, ouais, ça fait un peu ça, tu vois. T'imagines, tu bosses chez Eclipsa, t'es créateur de contenu. Et là, le mec, il fait, bon, les gars, pas une émission. À mettre des rediffs et tout. Par contre, il est en train de défuser la bombe. Je sais pas ce qu'ils font, les camarades, là, mais... Je sais pas ce qu'il fait, lui, mais... Lui, il s'est bloqué tout seul. Il est en train de défuser, hein. Tranquillou, hein. Non? Vous vous en foutez? Pourquoi il défuse pas, d'ailleurs? Chez lui, il bug un peu sa mère. Ils s'en battent les reins. Mais pourquoi ils diffusent pas la bombe? Ah non, mais elle est pas posée la bombe. Si, elle est posée la bombe. Voilà, incroyable, incroyable. Ah non, la bombe était pas posée, my bad. Je croyais que la bombe était posée, mais en fait, non. C'est moi, ma faute. Mon mauvais. Ah, je peux plus rien acheter. Ça y est, c'est la crise économique de Counter-Strike. Génial. J'aime bien. Voilà, je vais tout jeter. Je pars tout nu. Bon, bah écoute. Je vais un mec comme ça. Ah, mince. Vous allez lâcher votre Glock. Je lâche mon Glock. Bonjour. Il y a toujours un mec qui vient là. Voilà. Ah, j'ai pas réussi à le tuer. J'ai mis 47. Dommage, j'ai pas rempli mon devoir de tueur de méchant. Oula, je sais pas comment t'as tiré toi, mais c'était moche. Oh oui, attends. Gueule. Très fort dans mon équipe en tout cas. Enfin, on va pas parler de mon niveau, hein, qui est très bas, j'imagine, mais. Mais là, quand même, on atteint des sommets de nullité qui sont assez ouf.
Après, voilà, c'est pas. C'est peut-être leur première game aussi, on n'en sait rien. Je ne sais pas. Pourquoi tu bouges? Pourquoi tu bouges en tirant? Oula, bah alors là, attends, alors, attends, on sent ça ton gros engin là. Pas mal. 1v1. 1v1 garde du Nord, gros. Tu peux le faire. Dommage. T'as bien tenté de d'attendre, mais ça n'a pas, ouais, ça n'a pas fonctionné. Bon. Du coup, on change de camp là. Ah, ils ont un bot chez eux. Ils ont un bot. Un bot. Ah, j'aime bien récupérer les armes des autres, ça me fait rire. Ah mince, j'ai pas sauté. Ah, ils sont tous à B. Belle. C'était un ennemi, lui, en fait, on est d'accord. Parce que du coup, on est plus terroriste. Un peu un connard, moi. La bombe là. Quoi, lower? Mais il y a la bombe là. Pas forcément jouer non plus. Bien joué! Vous n'avez plus qu'à l'attendre, il est là-dedans là. Oh! Oh! Ce non-respect! J'avais une bombe sur moi. Voilà, récupère la. Ok, d'accord, super. Une grenade. Oui! Je vais acheter plein de trucs. Je suis un gros dépensier. Smoke weed every day. Body bumping way. Bonjour. 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 Ah, c'est bonjour. T'as un mec qui dit plus bonjour. Il est où? Ah, dommage. C'est quand même très efficace comme comme arme, j'aime beaucoup. Ah, j'ai pas pu changer. C'est quand même très drôle. Il faut dire ce qu'il y a. Hein. Là, on est dans le fun total. Oui. Let's go, let's go. On est trois et à B. C'est bon, passons pas. Pouvoir de la fumée. Ah, je les ai vus. Je les ai vus tous là. Ils arrivent en short. Non. Le bot. Ils sont en short et en chemise. Short. Oh. Il n'y a pas que en short, hein. Il y a lui aussi. Ah, ils m'ont entendu. Ah, ils ont regardé la map. Non. Ah, la map. J'aime bien ce que lui, il a tour à B, tu sais. On lui a dit short. Il sait que tout le monde est là-bas. Il voit la map. Il voit les coups de feu. Et mec, il est en mode, j'attends. Je tiendrai ma position. Regardez, ils sont tous là. Regardez, le mec, il est en A avec la bombe. Il le voit sur la map. Il le voit. Lui, il le voit sur la map. Et il est en mode, j'attendrai en B au cas où. Ah non, ça y est, il a bougé. Ah non, il est là. Regardez. Je vais attendre. Ah! Short. Qu'est-ce qu'il fait? Nice, Oh nice. mon dieu! Short. Non, mais l'autre en fait il est parti. Il va glander. Il est en vue! Le génie. Nice. Pourquoi t'es pas resté là-bas toi? Ah, oh, c'est fou ça. Bon, on va prendre ça. C'est bien comme arme quand même.
Je vais retourner à short, moi j'aime bien aller à short. J'aime bien être en short. N'y allez pas tout. Regardez lui, il est... on dirait un gros mongol, tu sais. Par contre, à deux, c'est pas ouf quand même. Oh non, j'aurais pu tuer les deux facilement. Ah, tellement dommage quoi. Chaud, 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 yeah. Ah, dommage de la vie. Je sais pas ce que c'est ce délire de bouger en fait. En gros, tu sais que les ennemis sont en short et qu'ils vont venir par là. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu restes pas comme ça et t'attends? Et dès que t'envoies un passé, bam, tu tires, tu vois. Après, je dis ça, encore une fois, je ne suis qu'un amateur. Je ne sais pas jouer au jeu. Smoke weed every day. Je la place tellement mal, ma smoke, chaque fois. Regardez, elle est tellement facile. J'attends. Davai, davai. Il a vodka. Je vais les retourner. Oh! Oh! Oh le mec quoi! Ce non-respect qu'il leur a mis dans les dents. Le pire c'est qu'on remonte. Enfin un peu. Je crois. Kim, Bobby, Bobby. Bobby, yeah, si. Comme le DZ. Let's go, let's go. He's gonna plant deux bombes. Oui, je la prends ou pas? Thank you. Thank you. Tiens, on va les couilles de ton truc. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette arme, je sais pas quelle est l'espèce de religion qu'il y a derrière cette arme. Je ne sais pas. J'aimerais comprendre. Parce qu'on est d'accord que c'est pas une arme accessible à tout le monde. C'est un peu genre que les pros qui peuvent jouer à ça, tu vois. Donc est-ce que les gens ne sont pas attirés par ça justement parce que... elle serait destinée aux pros et genre ils pensent qu'en jouant cette arme ce sont des professionnels. J'étais Bernard Tapie dans la fumée. Je sens que je vais me faire retourner la gueule. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je... il... bon, je vais la reprendre son truc là. Thank you, man. You. Je sais pas qui la veut. On bat les couilles. Vous vous battrez, hein. Ah là, heureusement que je suis là quand même, hein. Pour retourner la situation. J'arrive pas à savoir si je joue bien ou pas. Vous me direz hein, dans les commentaires YouTube si vous regardez la VOD. Vous me direz si j'ai un jeu qui est bon ou si je fais vraiment n'importe quoi et j'ai que de la chance. Ça m'intéresse. Clairement, je n'ai aucune idée. Je sais pas. Ah d'accord, ok, ils sont à A. Ils sont tous à A. Non, ils étaient tous à B comme hey. Des gros débiles. Hey. Oui, c'est A, effectivement, oui, c'est très bien, Captain Obvious. Ah, ils sont plutôt... ils sont plutôt intelligents dans ma team, quand même. Mais ils sont tous morts. J'ai un kit. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un kit. Il est revenu à 11 partout. Wouh!
C'est la fête, les gens. Ah! Oh non, elle avait un skin, voilà. Voilà. Ah, du coup, il faut que je prenne un kit de désamorçage. C'est où? Équipement. Ah, j'en ai déjà un. D'accord, ok. Je sais pas comment c'est possible, mais. Ah, pousse-toi! Jean-Christophe, pousse-toi! Voir si l'autre il est avec son sniper toujours là ou quoi. Non. Apparemment non. Oh, ils sont à B alors. Ah non, ils sont à A. Ah non, ils sont là. Bravo! J'ai survécu 3 manches sans mourir, c'est bon, c'est bien ça. Très très bien. Du coup, je peux acheter plein de trucs. J'ai acheté plein de trucs, je les utilise jamais. Oh, les gens vont devenir fous. Mude, 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 mude. Let's go, friends. Let's do this. Oh, j'ai lancé n'importe quoi. Oh, c'est bien ça. Oh, c'est beau, ça c'est beau ça. Ah merde, j'ai mal lancé. J'ai complètement mal lancé. Ah, t'as voulu sortir ton arme, sauf que t'as pas eu le temps, tu fais trop le coup. Ah, t'as voulu sortir ton arme, sauf que t'as pas eu le temps, tu fais trop le coup. Je sens le mec qui va arriver là, comme un con. Faut te jouer la bombe. Tire sur quoi, les mecs qui tirent? De la bombe en visuel. Ok, d'accord. Bon, je vais prendre encore sa truc là. Qui veut la WAP? Tiens. Je lui lance le truc, genre tiens, prends. Bon, je suis toujours pas mort, j'ai pas pris de dégâts depuis beaucoup trop de temps là. Il faut qu'on reste sur cette lancée et on gagnera la partie. Ça serait vraiment super. Car je suis vraiment très très fort. Oh voilà, c'est une belle smoke ça. Ah. Ok, les mecs sont vénères. Eh, vous passerez pas, hein, je vous dis. Chez moi, ça se passe pas comme ça. Ça va les calmer ça déjà. Il y en a qui vont arriver short, c'est sûr. 2000%. Ah! Ah, je suis un connard, je suis un connard, je savais qu'ils étaient là, je savais qu'ils étaient là, je savais que je suis allé. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Ça va, on a gagné quand même. 14, je crois qu'il faut plus de 2 victoires et on a gagné, là. Si on gagne encore 2 fois, c'est bon. Du coup, je suis mort, c'est un peu déçu. Mais bon, ça devrait aller. J'ai économisé assez pour faire 50 000 parties. Là. Je suis sûr qu'ils vont aller à B, là. Je suis sûr ils vont tenter le B. Obligé. Je le sens trop là, le rush B là. Le rush B des fans. Et tu es un mec? Ah, ils sont déjà plus que deux? Ok, d'accord. Ok, on va plus qu'une une victoire, c'est bon. Si on gagne cette manche, on a gagné. C'est bon ça, les gens. Du coup, je vais tout acheter. Non, je vais quand même pas tout acheter. Kit de désamorçage. On remet le petit silencieux des familles. Faut pas déconner.
le silence c'est bien. Je vais aller en short du coup. Parce que c'est vraiment là où j'aime bien être. C'est les kills faciles. C'était pas gagné d'avance cette partie quand même hein. Avec l'autre qui parlait dans son mouchoir là. Smoke. Ah il reste là un peu caché. Je crois qu'ils sont tous à B. Ok, on est en train de les défoncer. God de bombe. Ah, God de bombe. Je vais bombe incendier la bombe. Voilà. Est-ce qu'on a pas eu le temps? Ah. Oh! Oh, wow! Amazing! Ah! Eh bien, écoutez, les amis, c'était une très très bonne partie, je serais content. Voilà. N'hésitez pas sur YouTube à me dire si j'ai bien joué ou pas. Ça m'intéresse, savoir quelles ont été les erreurs, quelles ont été les choses que j'ai bien faites. Je suis quand même le meilleur joueur de la partie, donc je suis plutôt content. J'ai fait une très bonne partie. Enfin, j'ai l'impression d'avoir fait une très bonne partie. Merci à vous, YouTube, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Des bisous. Ciao, bonsoir.